Alors, on se retrouve, je vais faire des recettes de mon auto avec la sauce, le riz blanc. Voilà. Les ingrédients, du piment, les 4 épices, j'ai aussi de la paprika et un bouillon en poudre, une soupe et une cuillère à soupe. Voilà. Et puis 4 cannelle, gingembre, et aussi, alors, on va rajouter une cuillère à soupe de l'huile d'olive et voilà. Et je vais rajouter les cacahuètes aussi, mais j'ai écrasé. Dedans. Je vais les mettre dedans. Voilà, du miel. On va mettre 3 sous de cuillère à soupe. Voilà, 3 cuillères à soupe. Et puis graines de moutarde. Et sel, poivre, de Jamaïque. Et bah, voilà. Après, j'ai mis quoi d'autre. Bah, en fait, il y a les épices comme ça. Je ne sais pas encore son nom. C'est un tas de. Le souvent, on utilise par barbe du jour. Et puis aussi, j'ai rajouté un sirop de gras d'anis. Moi j'ai 3 cuillères à soupe. Voilà. Tu, voilà. Tu mélanges avec ta main. Allez, ici. Tu mélanges voilà, avec la machine. Tu rajoutes du miel? Non. Mettre aussi si vous voulez manger avec le couscous ou voilà comme ça c'est comme une sorte de bouillon aussi si vous voulez moi je mange le plus avec le riz mais des fois on mélange avec le couscous comme je viens de dire voilà c'est délicieux et voilà n'hésitez pas à essayer avec le couscous aussi. On va attendre pour les endroits de se mijoter pendant là, ça va cuire avec. Voilà, avec les machins que j'ai rajoutés. Je dirais environ. Bon, pour moi, ça va faire 20 à 25. 25 minutes de cuisson. Voilà. Après, on verra. Je vous montrerai tout à l'heure. Après, je suis en train de préparer le riz blanc. Je continue. Je l'ai mis au four. Voilà, bientôt je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Et ça, c'est le riz. Voilà. J'ai pesé 400 grammes. Là, c'est pour mettre le riz blanc dedans. Voilà, le riz est prêt. On va pouvoir l'enlever. Voilà. Comme je viens de dire, je viens de finir tout juste. J'espère que vous allez aimer et que vous allez me dire vos commentaires. Et... voilà, je vous fais une petite présentation. Comme ce que j'ai fait.